Salut les pilotes. Salut tout le monde. Bienvenue à ce pilote tranquillement chez eux, tes pères. Hein. Salut Lorenzo, Julie, Jolie, en anglais parce que c'est Olivier, Daddy, Sky Slice, Slice, c'est pas l'anglais, hein, voilà. Allez, Nicolas, bienvenue à tous. Donc alors, en haut, vous avez le plan de vol qui apparaît. Il y en a qui me l'ont demandé. Et voilà, maintenant, ça y est, il apparaît. Donc je laisse défiler juste au début. Voilà, comme ça, vous verrez tout. On part pas tout à fait de Tonon-les-Bains. On part de pas très loin. Je sais pas comment ça s'appelle, s'il vous plaît. Clos du Bio. Et on va aller faire un tour à Tonon-les-Bains et après, on va revenir. Salut Yann. Bon, voyons voir un peu là. Donc j'ai pas mis la météo réelle. Salut Brice. Parce qu'on n'aurait pas pu décoller, on n'aurait pas eu l'autorisation de toute façon. Donc j'ai fait une météo qui correspond un peu. Il fait 6 degrés. Hello Nico. On est bon. Attendez. Hop, je mets ça là, comme ça, ça. J'appuie là parce que ok. Ensuite, donc, alors j'ai changé une chose. C'est pas la map, c'est pas Bing, c'est Google Maps. Voilà, on va voir la différence. Il y en a quand même, mais voilà, c'est pour voir si ça marche bien. Bon Richard, t'es du coin, ok. Cette livrée, c'est une livrée qu'il y a dans le jeu. On est bon, j'enlève le frein de parc. Alors attendez, non, j'enlève pas le frein de parc. D'abord, on met les positions, on va mettre ça aussi. On va descendre les lumières. Et on met les foot pompes. Là, on est bon. Et là, on est bien. Tu me vois depuis ta fenêtre. Bon, nickel. Allez, c'est parti. Un réglage beaucoup plus délicat pour la vidéo. Non, j'avais confondu les Vosges, j'avais confondu.
direction Tournon-les-Bains. Oh, il y a des textures qui se changent au fur et à mesure, merde, c'est pas beau ça. Voilà. Peut ça bouger? Vache. Elle va faire un petit tour. Comme on est juste à côté quand même, je me suis dit, c'est une ville connue, Tournon-les-Bains. De toute façon, je vous l'ai dit, le gars, je vous le redis, Nico, tout ça, je vais faire la France entière. J'ai pas fait tous ces départements pour m'arrêter à moitié, hein, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc on fera la France entière, sous toutes ces latitudes. Hein. Donc alors, en face, c'est la suite. Hein. Si je ne pas le connerie, c'est le lac Léman devant, c'est ça? Ah, c'est le plus grand lac d'Europe, le lac Léman, mais tu vois, c'est bon à savoir, 74 km. Hein. Il est tout à longueur, en fait. Allez, Tournon-les-Bains. La ville de Glan, avec un nom pareil, t'habites où à Glan? Non mais je te demande pas qui tu es, je te demande où t'habites. Mais non, mais c'est le pire de Glan. Ah, elle est suisse, ouais, il appelle le lac de Jeb, ouais, c'est ça. Salut 001. Non mais c'est bon, joli, tu vas pas nous faire Wikipédia, quoi. Mesdames, messieurs, ouais, niveau raclette, ça te va quand même à la Savoie, bon, c'est bon alors, nickel. Allez. Alors, je vous ouvre la carte. Voilà, voyons. On est bon là, Tournon, il en faut un peu plus. Tournon-les-Bains, il vient juste à côté. Allez, on reprend. On revient à notre point de départ. On a fait déjà Genève, tout ça, on y est, pas, on y est passé. Vous avez une vidéo là-dessus. Et c'était bien joli d'ailleurs. Et là, je suis étonné, j'avais préparé. Ah ouais, bon. Voilà, j'ai préparé ça comme ça, voilà.
Non mais même Nico, même spectateur, pendant le multi, vous pouvez venir, hein, il n'y a pas de souci. Peut-être que ça ne vous perturbe pas pendant qu'on vole. Donc à partir de mardi, je vais faire des vols en multi, parce qu'on a essayé le multi et il est beaucoup plus stable. Hein. On a eu quelques petites surprises, mais rien de vraiment... Ah ben on n'est pas loin de chez toi Arnaud, oui, près de Evian. Donc voilà, c'est réservé, entre guillemets, hein, à ceux qui déjà maîtrisent leur avion, hein, c'est pas du tout quoi. Hein, voilà, et donc en fait, je prépare un plan de vol sympa, et je fais chef d'escadrille, et voilà, je donne les ordres. Voilà, là on va virer à Cap 770, machin, tout ça, voilà, c'est pour ça qu'il est demandé d'essayer d'enlever les noms au-dessus des avions, tout ça, vous voyez, pour qu'on fasse un bon truc simu, comme ça. Après chacun fait ce qu'il veut, mais bon, au moins, voilà, c'est le but de la manœuvre. Et donc j'ai passé pas mal de temps quand même à préparer le prochain plan de vol, histoire de faire aussi découvrir en même temps, voilà. Allez, direction Annemasse. Oui, on va y aller, on va y aller. Ouais, c'est ça. Tu as le plan de vol qui va apparaître en haut, Bougnol. Ah ouais, en MV339, oh là, ouais. Ouais, c'était bien d'Adi, ouais, on s'est régalé quand même. Non, on est... Mais tu sais, Bougnol, tu peux dire bonjour aussi, hein, et vous allez où, et t'as mis tout réel, et tu sautes du combien. La météo réelle, c'était pas possible pour toi. Allez, pour essayer de faire un level plus de vue, hein, je me mets en pilote auto un peu, de temps en temps. Ok. Un tout petit peu de neige, hein, juste ce qu'il faut. Hein. Hello Street, photographie. Et là, en mettant Google machin, là, ça charge en même temps. C'est con ça. Je sais pas si j'arrête le truc maintenant, est-ce que ça va redevenir normal? Ouais, je le tente. Je le tente pas maintenant, de toute façon. Salut tout le monde. Alors, si vous avez ça, c'est là. Ah ben oui, effectivement, quelle... C'est pas le sujet.
quel coup. Et voilà, c'est pour ça que ça le fait. En fait, j'étais venu avec Google Maps. Et là, je suis un normal. Donc, du coup, il rechange les textures. Bon, c'est ma faute. C'est ma grande faute. Allez, Saint-Serge. Ah, ben, vous avez les noms, là. Attendez. Et attendez. Et attendez. On joue un peu. Foloplein. Voilà. Ok. Alors, on arrive à Annemasse. Ouais, j'ai fait une météo, j'ai essayé de faire une météo qui correspond à la Savoie, quoi. Donc, tu vois, je suis allé regarder la météo réelle et puis j'ai fait quelque chose d'approximatif, quoi. Oh là 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 là, oh là là, j'ai oublié de vous dire. C'est vrai que je vous l'ai pas dit. Je vais vous le dire. Je vais pas tarder à vous en parler. Je comptais justement dire. Voilà les gars, voilà, on va faire une pause à Courchevel. Salut papa foot. Eh oui, on va faire une pause à Courchevel. Vous comprenez bien que faire la Savoie et pas atterrir à Courchevel, c'est quasi criminel, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment voilà. Voyons en face ce qu'il y a, parce que ça peut aider aussi de regarder ce qu'il y a en face. Ok. Ah ben oui, il y a plein de volcans pareils, ouais. Ça vous plaît, ça. Et c'est grand comme ville quand même, vous voyez, mais voilà, je croyais que c'était plus petit que ça. Oui, quitte à l'air pour chevel, je me suis dit, je vais mettre un peu de vent. Ok. Mais il est mythique, comme il n'est pas simple. Ah oui, la fichite de gris, normalement vous êtes devant pour la poire là, hein. C'est pas la peine de sortir la glace. Une question, je n'ai pas regardé ça. Voilà, côté droit, on va faire côté gauche. Côté gauche, on va pouvoir prendre les sièges arrière, peut-être.
Ouais, elle est bien fraîche. Je regarde un peu devant, hein. Histoire de rassurer tout le monde, quoi, bien sûr, hein. La première fois que je me suis posé sur FF, ça me gêne. Mon caleçon, ça se souvient encore. Voyons tout ça. Et écoutez, vous savez quoi, on peut quand même... Non, parce qu'il y a des fois quand même... Voilà quoi. Salut à toi, Lali. Bienvenue chez les dingues. Ouais, on fait ici un clandestin sur le train, là. Je t'expliquais, le mec, il est congelé. Il arrive en glaçon. C'est vachement... Comme si c'était beau. Alors, je vais en profiter pour passer mon petit message perso, hein. C'est la première fois, donc... demain, c'est le Black Friday. Donc, sur la boutique de la chaîne, j'ai pu activer, parce qu'on dirige pas trop près sur les produits. Donc le maximum de la promo que je puisse activer, c'est-à-dire 25% de réduc. Donc demain, toute la journée, il y a 25% sur les produits de la chaîne. Vous les avez dans la rubrique boutique. Il se trouve que sur YouTube, il n'y a pas tous les produits. Il en manque vachement, en fait, parce qu'il y a eu une mise à jour, tout ça. Donc il vous suffit de cliquer sur un produit et vous accédez directement à la boutique. Voilà, il y a le mug « Elle est où la piste ?». Il y a la nouvelle série de la Saucisse Airlines. Il y a le t-shirt « Je suis pilote ». Il y a un petit en dessous « Mais je me soigne ». Enfin voilà, c'est pour délirer. Et comme Noël arrive, je me suis déjà profité de ça. Voilà, ça y est, c'est fait. Et puis alors, après, vous pouvez mettre le pouce bleu, mais pas sur les produits, hein, sur la vidéo, quoi. Parce que le pouce bleu, vous le savez, c'est un coup de main dans la chaîne. Ça, hein, c'est un geste de solidarité. Et c'est joli quand même, quoi. Attendez, je me baisse un peu, ouais. On est bien là. On va rester là. On va rester là. À 3009, ça ira bien. Ça ira bien, ouais. Alors, il n'y a pas d'accessoire vibrant, non. Par contre, il y a le tablier, elle est où la poêle. Il y a le bavoir pour bébé, elle est où l'assiette. Il y a les dérivés, quoi. Quand même, hein. Donc, ouais. Là par contre c'est joli, mais il faut que je rectifie. Après je suis con, j'ai fait un plan de vol. Pourquoi je ne suis pas le plan de vol pour voir? Et ouais, d'habitude je ne charge pas le plan de vol, mais là je vais charger. Allez hop. Alors on va arriver à Annecy. Avec le lac d'Annecy. Et non, du coup, je me suis planté, c'est Bing, c'est pas Google. J'ai oublié d'activer le truc. J'ai pas chopé le rythme encore. Hein. Ah, il y a le t-shirt femme aussi, ouais, c'est Claude, exactement.
là, je vais désactiver la paix. Ok. Et on va descendre un peu sur Annecy. Ah, c'est joli, hein, putain, la vache. Hein. Le lac d'Annecy est le quatrième plus grand d'Europe et c'est un des plus beaux. C'est vrai, non mais de toute façon, le cadre là, tout ce qu'il y a autour, c'est beau, voilà. Ah oui, c'est le cadeau de Noël pour Natacha, ouais, mais maman, moment, j'aime pas ce temps, Natacha. Ah, Romain, alors, bouge pas, Romain, je vais te montrer. Ne développe pas, n'explique pas, je vais te montrer de suite. Salut Bertrand. Après le lac, hein, fais-moi s'y passer. Par contre, quand on passe au-dessus de l'île en photogrammétrie, il a un petit souci le coup, hein. Il y a du vent, hein, vous le voyez, sur l'eau. Bon, l'éternel petit rasement, hein, vous avez l'habitude. Hein. Tête là, ben vas-y, hein. Vas-y, va te baigner, moi j'y vais pas. Huit jours par an, c'est trop la vache. J'aurais peut-être commencé à prendre la guise, moi par contre je vais faire le poil là. Salut mon crâne. Alors, pour le trafic, ça se passe comme ça. Chaque fois que tu appuies sur pause, sur ton trafic, hop, il te le bloque. Il faut venir ici. Là, si tu cliques, ça marche pas. Il faut enlever la pause sur le clavier que tu avais mis. Et là, ça refonctionne. Voilà. Oh là putain, mais il y a du... Et on va où là? À droite hein? Ah j'ai pris à droite hein? Ah ouais, bon allez on va grimper parce que on est pas du quartier. Super.
Berlin, tiens, ouais. Non, pas souvent. En plus, j'ai mis les reliefs en 4%, là. Foutu à donf. Je me doute. Il y a besoin de faire du tout. Donc je me suis dit, ben, je vais attendre que les gars ils passent. Petit à petit, je leur répondrai. En fait, leur idée, elle est très bonne. C'est juste que lorsqu'on rappe, il faudrait que ça se désactive, ça se réactive, quoi. C'est juste ce défaut-là. C'est dommage. À prochaine mise à jour. Parce que la neige, on va pas tarder à en voir les enfants, hein, je vous dis. Mais non, Jean-François, mais non, Jean-François, ne t'inquiète pas. Mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas trop, on va dire. Mais non, mais il monte tranquille cet avion, c'est un avion de rêve, j'avoue franchement, je ne sais pas si la physique correspond à la réalité, j'avoue franchement, je ne suis pas allé regarder de commentaires de pilotes ou de trucs comme ça, parce que c'est compliqué, parce qu'il y a des forums, il y en a qui se disent pilotes, et c'est compliqué de voilà, mais j'aimerais bien avoir l'avis d'un pilote, quoi. Parce que dis-donc, c'est un jouet cet avion, hein. Alors, je sais plus qui c'est qui a dit ça pendant un live là. Apparemment, c'est l'avion préféré des personnes qui font du saut. Il faut dire qu'il est rustique et tout. Il est super. Hein. Oui, je viens de tout. Il y a une version avec les skis, ouais. Ah, Romain, là, voilà. Je fais rien en moitié. C'est pour ça d'ailleurs que des fois c'est un peu long, ce que je prépare. Mais bon, voilà quoi. Alors, je pense que là, à l'altitude où je suis, sans vraiment être négatif, quoi que ce soit, ni Chicago. Voilà, je pense que l'on peut rebrancher le machin 3009. On est pas mal à 3009. Voilà. Eh oh, mais dis donc les gars, et y a personne qui dit rien, et tu peux y aller, y a personne qui dit allez, jamais. Ça change un peu la vie, la musique. Allez, on grimpe pour se faire, en fait, on va se faire le lac du Bourget en longueur. Voilà. Ah non mais joli, ouais, il te semble que le pilote est sur le sol avant les parachutes. Je t'ai fait de ces piquets avec cet engin. Je me suis même mis un peu sur le dos, tu sais, comme les avions de guerre là et tout. Tu sais qu'ils proche de rien du tout. Hein.
tu t'amènes une roulette. Tu achètes une roulette, rien que pour toi, sans déconner. Ce sera mon cadeau. Alors là, Sky, c'est quel truc? Je comprends rien du tout. À gauche, la veine du chat. Ah, là, on va voir du mal. C'est ça là, la veine du chat? Ah ouais, d'accord. Aller à Aix-les-Bains pour notre ami Kawa. Bon, mais là, je suis pas vieux, je suis pas vieux, quoi. Salut Romain, nouveau membre VIP, je te remercie Romain, soutien 4 cylindres, c'est très gentil de ta part. Bienvenue au club, n'oublie pas de venir sur le Discord, activer la fonction Discord VIP, tu auras accès à tous les autres VIP. On est à combien là? 4? Oh mais tu fous de ma gueule. Thank you.
Best feel ever. C'est vrai qu'habiter au bord de là comme ça, ça doit être trop cool. Ne laisse pas me bringuer, Sky.
maintenant on va à Chambéry. Et la montagne derrière, c'est chez toi. Ah d'accord. Parce qu'il y a la neige qui fait ça, vous croyez? Parce que les meubles, ils commencent à les connaître, c'est normal. Voyons. Tu vois, c'est parce qu'il y a la neige. Ah putain. Je commence à les maîtriser, je commence à maîtriser les bugs, tu le crois toi? Il fallait la trouver celle-là. Je vais pas me faire rincer par des amerlocs, non, comme déjà. La ville de Chambéry. Et alors, dès qu'il y a des villes en photogrammétrie, ça la grouille. Ah oui, notre piano bar, on a un pianiste dans l'avion. Là, c'est le bâtiment numéro 2. Ça vire un moment donné, là. La montagne quand même, hein. Ouais, c'est con, mais... Regarde, t'as le nom qui apparaît là. Budget for VFR Map. VFR Map. Voilà. Oui, je crois que Christine, c'est pas Christine, c'est quelqu'un gars qui prend le... Salut Georges, hein. C'est quelqu'un qui prend le code de sa femme, je crois, il nous avait dit, elle est enfant. Si je comprends pas, hein. Semnol.
must have been able. Les montagnes. Oh, c'est joli la petite rivière à gauche là. Alors là, on va. Ah, bon, on va à Courchevel. Oh, punaise, ah ouais, bon, je me. Bon, on n'y est pas encore, hein, mais. On va atterrir en Courchevel. Eh mais je comprends pas cette blague de ce type. Georges Abitbol, confirme-nous que tu es l'homme le plus classe du monde. Je sais pas, il me manque un truc, apparemment Nico ça le faisait aussi, moi j'ai rien compris. Bon, j'ai rien compris. Faut pas que c'est Abitbol, il y a eu un mec qui s'appelle Abitbol, enfin des mecs qui s'appellent Abitbol, il doit y avoir un paquet. Hein. Bon, je reste un peu en vue, on ne meurt pas. Ça c'est la vue, on ne meurt pas, de suite. Ah merci Nico, au moins on est deux, oui. Regarde la classe américaine. Ça m'arrive pas tout ça. Ah d'accord. Georges Abitbol est le personnage central du film La classe américaine, et il meurt en disant monde de merde, d'accord. Parfait. Je vais m'endormir moins que ce soir. Bon, du vent et Courchevel. Et avec un peu de fion, on l'a. Non, on l'a de face le vent pour atterrir. Pour décoller qu'on l'aura dans le dos. Oh, j'écoute. Ouais, parce que. Je voudrais pas être négatif, mais j'ai l'impression que là, on va même. On y arrive là. Du mal à y croire. Hein. Non, là, on n'y arrive pas là. Hein. On est d'accord, on n'y arrive pas. Allez. Hop là.
Ouais, Claude, ouais. Déjà, il y a 7000 câbles, je crois, 6500 pour femelle. Ah, ben tu vois, et puis ça sera le bien pour Saint-Maurice, je vois. C'est le Zef. Oh, oh, oh. Un peu capricieux, hein. Bon. Alors, bon. De la musique là, je vais être tranquille là. Donc on a 9007, c'est à 6005. C'est la piste 22. Je demande pas autorisation que dalle, parce qu'après pour repartir c'est le bordel. Et ça bouge, hein? Vache. Ça pouvait éviter de laguer aussi, ça serait sympa parce que c'est déjà assez compliqué quand même ça. Ciao, Slice. Oh, la piste, elle est par là. Donc là on a 1000 pieds de différence avec la piste.
fou, du coup, le vent. On a une crabe. Oui, oui, c'est bon, on ne coupe pas. Attendez, c'est pas ça là! Oh, j'ai touché un arbre! Oh, Fredo, putain, c'est pas la bonne piste! C'est quoi ça? Voilà, vous avez tout. Allez, on revient. Je suis à combien? À 10 000, hein? Alors, 10 000, il m'en manque. Hein. C'est pas ça là, le face là? Ça. Ouais, ça y ressemble, hein.
À l'altitude. Regardez, le truc qu'il est là. J'y suis, non, j'y suis. Mais mal. Oh putain, je l'ai. Deuxième crâne de volée. Elle est à gauche de la ville. Il est là. Ouais, merci, mais en fait, si vous postez chaque fois, ça me fait apparaître un truc, c'est pas sympa. Ouais, d'accord, j'ai rien. Ça va aller. C'est pas l'atterrissage. Pourquoi? Oh non. Alors, bon, je vous explique. C'est qu'il y a le vent qui m'a poussé l'avion. Il y a le vent qui m'a poussé l'avion vers l'avant. Oh putain! Pull up. Pull up. Pull up. Voilà, oui, oh, ça peut arriver. Alors, d'accord, Megève. Allez, hop, on va atterrir en Megève. Ah ben ouais, 60 km/h de vent. Ben oui, mais voilà, 38. Bon, ok, d'accord. Ok, allez. Donc. Ah. Et il a combien? 4800 pieds. Va falloir le trouver lui aussi là. Ah non, mais il est pas loin, en fait. Il y a une pente qui monte, si ça descend, c'est que tu l'as pris à la... Ok, je te remercie. C'est par ici, hein. Je suis sûr que c'est dans le creux, là. Oh, mon instinct de pilote me dit que déjà, je devrais regarder le vent. Le creux là, il nous fait tout un cinéma, l'autre là avec son truc, moi je te dis ma pote, ça peut pas être pire. C'est là-dedans, non? C'est ça Megève, non?
T'as vu comment il descend, ça vient, c'est quelque chose. Ah, je t'explique que tu dois avoir les oreilles bouchées, quelque chose de bien. T'arrives pas à dormir, ben tu vas voir. Je vais te faire un... Je te montre le truc. On a dit combien? 4800 pieds et je suis à 9008. D'accord. On va tourner. Histoire de perdre de l'altitude. Voilà. Attendez. C'est pas ici. Derrière la montagne. Oui, papa. Détends-toi, détends-toi. Regarde à droite là, tu vois l'aéroport il est ici, là il y a cette montagne, et si tu regardes le vent, d'accord, tu t'aperçois qu'il faut que je prenne la piste dans l'autre sens, donc je fais tout le tour. Et puis tu me dis pas fais demi-tour, tu me dis tu devrais faire demi-tour. Ah ouais, il est dedans, Richard, il est... C'est le copilote. On le voit pas là, mais en fait, il est à côté. Je suis à combien là? Je suis à 5400, hein? Ouais, mais je suis même encore 1000 pieds au-dessus de la... De la chemicure, ce qui... Ah ouais, non, mais ça, c'est ça. Je le sens bien. Si je préfère le voir de loin l'aéroport, vous voyez? Un réflexe de survie quoi. Salut Patrice, bienvenue à toi. Bienvenue chez les dingues. Ah tous les coups il est dans la vallée ou un plein comme ça, c'est impossible pas mal. Hein. N'oubliez pas si vous aimez ce que vous voyez de mettre un petit pouce bleu les amis. Ça aide la chaîne à être référencée, c'est vraiment un geste de. Solidarité que de mettre un pouce bleu. Alors c'est cette vallée ou la suivante? Ah! Je pense que c'est la suivante. Ah, c'est ça. C'est vrai qu'il a l'air qu'on va trouver ce... Elle a qu'un sens.
Comment on a la conscience? Quoi est la conscience? C'est par la piste 15, hein, on est bien d'accord, hein? Ne me raconte pas d'histoire, hein? Ne me raconte pas. C'est par la piste 15 qu'on arrive. Quoi, il faut que je prenne cette vallée là? Non mais vous rigolez, hein? Non mais vous rigolez. Mais vous rigolez. Bon, je prends la vallée. On me dit prends la vallée, moi je prends la vallée. Je commets 7000, je peux descendre un peu. Elle me répondait pas, est-ce que c'est la piste 15? Me dire qu'il n'y a qu'un sens, ça ne... Moi, je prends car. C'est le sens qui compte. C'est la 15, c'est bien, je suis dans le bon axe, là. T'as le temps de mourir 28 fois, quoi. Ah, j'ai compris, elle est vicieuse. Oui, je te demande pas s'il n'y a qu'un sens, je te demande lequel c'est. J'en ai rien à foutre qu'il n'y ait qu'un seul sens. C'est lequel, la piste 15? Ah bon, ok, merci, il n'y a que le sens que ça leur foutre encore. c'est bon, il n'y a que le sens, oui. Je suis dans le bon sens. Non, il n'y a que le sens, je te remercie, j'embrasse. Ça y est, les autres, ils se foutent de ma gueule, tu cours. Ça y est, c'est parti. Bon, attendez, oui, parce que vous êtes là, vous faites les malins, là. Hop là, normalement, je suis à la bonne altitude, là. Ah, punaise, aïe. Normalement, c'est par là. C'est bien ça, hein? Je le vois. Ça va? Ah ouais, effectivement, d'autres côté, tu peux pas atterrir, ouais, t'as raison. Oh, oh la vache, ouais, c'est impressionnant, hein. Ah mais tu le vois vite, si t'es dans le pot. Salut Ali. Salut Ali Mazali. Salut. Je suppose qu'on peut pas faire une remise des gaz non plus. Parce que je sais que vous êtes désagréable ce soir, donc... Hop, dernier crâne de volée. Oh, on a un plan de travers. Il me dit 4008 et là je suis déjà 4005, je suis déjà trop haut. Le compas est mal réglé, le machine est mal réglé. Ouais, écoute, le putain Richard, t'as raison, bonne chance. Mais elle est vachement courte, oh. Matez la chaussette, hein. Voilà.
Wow. Eh ben... Ah oui, ils ont fait une montée, c'est pour aider si t'arrives un poil trop... Ah ouais, ouais, parce qu'elle est courte. Hein. Eh ben regardez, c'est que... Voilà quoi. Comme quoi le ressusciter, ça sert bien. Allez, on va jeter un petit coup d'œil vite au quartier, comme on fait d'habitude. Ah, tiens, quand on arrive... Regardez-moi ça. Ils sont pas bien les gens là, sans déconner. C'est super, hein, c'est joli, hein. Même franchement, hein. Merci Nico, merci les amis. Ah ouais, et puis le vent, il est à 90 degrés pile poil, hein. Ah ben, je suis content de cet atterrissage. Bon, eh bien écoutez les enfants, ouais, le drone était resté à 10 000 pieds, il a flippé, il a pas bougé, tu sais. Bon. Bon, merci les amis, eh bien écoutez, je vous dis, la prochaine fois, je sais pas ce que je vais faire, hein. Je pense qu'on va commencer, on va aller voir un peu la France... En Outre-mer, on a fait la Martinique, je crois, on a fait la Guadeloupe, on va aller regarder, je vais voir si la Nouvelle-Calédonie est bien faite, parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est pas sûr qu'elle reste française encore longtemps, on a le doute, on va aller la voir. Merci Max, merci tout le monde, ils sont où mes boutons, je suis paumé complet, et bien c'est super, voilà, ça me fait au moins un... Bisous sur la fesse gauche, les amis. Donc, je vous dis à jeudi. Tous les jeudis, c'est la France. Et le dimanche, on va voir un peu parce que je commence à fatiguer. Mais dimanche, quand même, c'est le tour du monde. Faut pas l'oublier. Allez, la réunion, elle est pas super bien faite encore. Je sais pas. Faut que j'aille vérifier. Allez, ciao, les amis. Bisous sur la fesse gauche. Ciao. Un petit pouce bleu pour Tonton Fredo. Thank you.